Je reviens. Marvin. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout, monsieur, je vous donne vos Ricard. René. Je crois qu'il a dit qu'il revenait tout de suite, monsieur. René. 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 Ça te fait plaisir? Ah oui, mais... René! Le con! T'es au killer, René! René! Non, René! Non, pas par là! Et tu peux remballer tes tongs, maman, on rentre sur Melun, les vacances sont finies! Ok, maman, j'attends de voir la mère Châtel. Mais je te préviens, je mets pas le haut vent. Je ne mets pas le haut vent parce que pour moi, demain, on est en face. Eh ben, tu mets pas le haut vent, Jackie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux pas me laisser marcher dessus par des Allemands, non? C'est des Hollandais, Jackie. C'est pareil. Non, mais tu m'entends, maman. Si la situation se débloque pas ce soir, je remets tout le matos sur la boule et dans 9 heures, on est à Melun. Logicamp ou pas Logicamp? Salut, Jackie! T'es pas au 17? Un problème d'informatique. T'es plus un camping ici, c'est Kennedy Airport. Oh. Les enfants, n'allez pas trop loin tant qu'on n'est pas installé, hein? Oh mon Jackie, quelle sale histoire! Hop! Doucement, Jackie, c'est le premier, hein? À toi l'honneur. Bon, bah d'abord, le concert, c'était génial. Ça a fini tard. Puis ça suffit! Avant tout, une règle. T'es malade, en panne, enceinte, droguée, un coup dur, tu téléphones. Les coups durs, il n'y a que ça pour vous, les parents. Pas que les coups durs dans la vie. Il y a plein de choses qui peuvent vous empêcher de téléphoner. On m'a piqué mon sac, on a marché, il pleuvait, on n'avait pas d'argent, on a fait du stop. Mais c'était pas des coups durs, justement, parce qu'on était bien, j'étais heureuse et j'avais pas envie d'entrer. Même si je savais que vous soyez inquiet et que t'allais m'engueuler. Quelque chose. Oh, volontiers un petit whisky, s'il vous plaît. Ah, j'en ai pas du whisky, il y a que du vin rouge, parce que mon mari supporte que ça pour sa santé. Ah, bon. Merci beaucoup. Eh bien, je vais me permettre de boire à la santé de votre mari. Ah oui, c'est ça. Buvons à sa santé, hein, pour qu'il sorte vite de l'hôpital. Oh oui, oui, c'est vrai, ça. L'hôpital, vous devez vous sentir terriblement seul en ce moment, n'est-ce pas? Oh oui, oui. La journée, ça va encore, mais les nuits... Oh là là, n'en parlez pas. La solitude, vous savez, ça me connaît. Voyez, je peux bien vous confier ça à vous. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un, enfin, une femme, je veux dire, bien sûr, avec laquelle je me sente complètement détendu. Oui. Ah non, moi, je préfère ça. Ok, d'accord, on y va. Au pauvre vieux, les empires s'écroulent. Les républiques. Bravo, monsieur Ségalos, ça c'est du meuble.